Oui, aujourd'hui c'est une bonne chose. Le numerus clausus a été institué il y a une quarantaine d'années pour faire une régulation et une couverture sanitaire au niveau national. Il y a deux écueils. D'abord, ce numerus clausus ne permet pas de lutter contre la désertification qui est réelle dans nos territoires et qui est une véritable problématique. Et deuxièmement, une injustice majeure, c'est-à-dire qu'on peut être collé au numerus clausus en France et reçu en Belgique et en Roumanie. Et donc le supprimer me paraît indispensable. Néanmoins, il faut le remplacer. Il faut le remplacer par quoi? On a des régions avec une sous-médicalisation. On a des régions avec une surmédicalisation. Et donc, il faut qu'on ait des comités régionaux de santé et des observatoires qui fixent les besoins de ces régions. Et donc, je plaide tout à fait pour une décentralisation au niveau des objectifs régionaux de santé et de façon à pallier à ces inégalités territoriales majeures au niveau de la couverture médicale. Alors, la T2A a été instituée il y a une quinzaine d'années et qui permet une tarification à l'activité. Je reste persuadé que ça a été un phénomène qui a permis l'excellence. C'est-à-dire, l'attractivité d'un hôpital était récompensée, ainsi que le dynamisme de ses équipes médico-chirurgicales. Et donc, supprimer la T2A me paraît être une régression qui permettra, certes, un lissage au niveau des hôpitaux, mais qui ne permettra pas une optimisation des moyens pour les patients. Alors, c'est une excellente idée, car j'ai toujours déploré être obligé de taper mes comptes rendus opératoires, voire mes lettres. Je les tape mal, et je reste persuadé que je rendrai beaucoup plus de services à la société en faisant une intervention chirurgicale en plus qu'en tapant mal mon compte rendu opératoire, voire ma lettre. Et donc la création des assistants médicaux me paraît être une excellente chose car il va permettre de débloquer du temps médical. Et c'est le temps médical qui est important. Il ne faut plus parler en nombre de médecins, mais en temps de médecine. Et donc créer des assistants médicaux qui aident le praticien et le chirurgien à faire de la médecine est une bonne chose. Néanmoins, il faut que cette décision soit pérenne. Or, actuellement, la proposition du gouvernement, c'est de lancer des assistants médicaux, mais après ne plus les subventionner. Et ça, je reste persuadé que les médecins généralistes, les médecins spécialistes vont avoir du mal à embaucher des assistants médicaux et se méfieront de cette possibilité. Et donc, il faut dire oui aux assistants médicaux et oui à l'aide de l'État de façon définitive.